Un car de transport et un gros camion de 10 tonnes rentrés en collision qui ont pris feu. 4 corps sans vie, dont 3 calcinés. Une cinquantaine de blessés évacués au CHR de Katiola. Voilà le triste bilan de cet accident, dont un camion mal stationné et une absence d'éclairage du gros camion seraient à l'origine. Les passagers, encore sous les chocs, se souviennent. On a vu, il y a un camion qui vient, il n'est pas des phares. Maintenant, il y a un camion qui est gâté. Et ne pas prendre des sables qui met quelqu'un qui connaît la gâté. Maintenant, nous sommes carrés là, dit on a dépassé carré là. Voilà, l'autre il vient, parce qu'il n'est pas de phare. Il vient. Un coup, on a vu, bon, nous tous on a tombé des camions. Maintenant, fait qui a commencé. Il faut saluer la promptitude des sapeurs-pompiers militaires de Boaké qui sont arrivés à temps pour évacuer les passagers du car en feu pour éviter que le bilan soit plus lourd. Aussi, c'est l'occasion encore une fois d'inviter les usagers de la route au respect scrupuleux des règles de conduite pour une sécurité routière.